Salut à tous, c'est Moussegu5, j'espère que... Bah, l'intro fail. Alors attendez, je baisse juste un petit truc, je fais mes règles, voilà. La dissidence de cet homme qui ne prépare mal ses réglages. Alors salut à tous, c'est Moustique50, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Resident Evil. Avec un intro fail, hein, donc c'est génial, j'aime la vie. Alors, lors des deux derniers... Alors attendez, je fais juste continuer parce que le chargement est assez long. Alors lors des derniers épisodes, on avait réussi à vaincre Mia et ensuite on s'était fait capturer par la famille Baker. Et on a réussi à s'échapper, on a réussi à aller dans la première safe zone, on va dire, la première zone de sauvegarde en échappant à Jack qui nous a quand même coupé le pied. Je sais que j'ai fait un fait, il me semble que je suis déjà mort une fois aussi contre Mia au premier combat. Et que j'ai survécu contre Jack, je me suis remis le pied en place, mais il a pas réussi à, voilà, je n'ai pas, il a pas réussi à me tuer. Et donc là, on était dans la zone de sauvegarde et donc on va continuer la suite de nos aventures, en espérant que je ne fasse pas trop de fails comme mon intro. Oui, je me répète, je sais, désolé. Alors j'aurais peut-être dû mettre start et bon, tant pis, c'est pas grave. Au moins, ça me laisse le temps de vous parler pendant le temps de chargement. C'est vrai que le temps de chargement est assez long, mais bon, le jeu est tellement complet, on va dire. Pourtant, c'est pas un monde ouvert, mais enfin. Ouais, non, c'est pas vraiment un monde ouvert en fait. Enfin, bref, donc voilà, voilà. Donc, on attend que le chargement passe. C'est le chargement qui passe. Au pire, je passerai ou je couperai si le chargement est long. Alors à savoir que ah ça y est, à savoir que je me suis mis bien dans l'ambiance là, je suis tout à fait je suis dans le noir, je suis tout simplement dans le noir tout seul chez moi avec les animaux. Peut-être que je ferai des peut-être que mon chat fera des screamers. OK, c'est parti. Alors, on est quand même bien blessé, je regarde mon inventaire. J'ai un remède de soin. Est-ce que je l'utilise maintenant ou pas? Non, je crois pas. Hop, c'est déverrouillé. On peut sortir. Normalement, il est plus là. Mais voilà, comme on se suis rappelé, le téléphone sonne. Alors attendez, ça, je sais qu'il y a un truc à l'intérieur. Un crochet, parfait, nickel. Allô? Bien joué, Ethan. Zoé, c'est ça? Qui sont ces cinglés? Tais-toi et écoute bien si tu veux rester en vie. Tu dois sortir de la maison. Il y a peut-être une issue via le hall principal. D'accord. Oh, le truc à ton poignet est un codex. Ne le perds pas, c'est important. Ok. Charmante. Allons-y. Alors... un tiroir qu'on peut déverrouiller. Ok. Un remède de premier soin. Ah, j'en ai deux. Est-ce que j'en utilise un maintenant ou pas? Non. Donc là, il n'y a plus la grand-mère. La table est cassée. Ah là là. Oh là, c'est une caravane. Caravane! Bon, normalement il y a... Non, ça vient toujours pas. Peut-être qu'il faut que je déclenche ça, que je déclenche la chose. Là, je peux pas faire grand chose. Bon, bah écoutez, on va essayer de déclencher ce qu'il faut. Ah, je crois que ça y est. Yes. Hé, hey, par ici! Attendez, je ferme juste le tiroir. Action hey. Inutile. Hé, hey. Vous devez m'aider! Du calme, reculez. Bon, vous vivez ici, monsieur? Est-ce que c'est votre maison? Quoi? Moi, non, non! D'accord, on a eu plusieurs appels à propos de personnes disparues récemment. Vous comprenez pas? Je dois sortir d'ici! Bon, calmez-vous. Mais vous m'écoutez pas! Il y a une bande de tarés dans cette maison qui essaie de me tuer. D'accord, que les choses soient claires. Vous ne semblez pas vraiment être en position de force, là, ok? C'est une blague! Écoutez, comme je vous ai dit, on a plusieurs cas de disparition.
Et rien ne prouve qu'un étranger comme vous n'est pas impliqué là-dedans. Très bien. Je vous dirai ce que vous voulez. Bien. Je préfère ça. Allez, retrouvez-moi dans le garage. On discutera là-bas. Hé, attendez! J'ai besoin de votre arme. Vous devez être tombé sur la tête. Écoutez, monsieur l'agent. Shérif adjoint. Ok. Monsieur l'adjoint, vous voulez voir mon nom dans la rubrique nécrologique? Ou vous voulez être un héros et me sauver la vie? Un simple couteau de poche? Allez, prenez-le. C'est tout ce que vous aurez. Maintenant, au garage. C'est un ordre. Qu'est-ce que je vais faire d'un couteau? Et là, je viens de me rendre compte que j'ai muté mon micro, que je l'ai pas allumé, que je viens de parler dans le vide pendant moins 3 bonnes minutes. Donc je vous disais que j'étais récupéré les munitions, parce que je sais que je vais en avoir besoin bientôt. On doit vite se tirer d'ici. D'abord, vous allez me dire ce que vous faites là, tout seul, au milieu de la nuit. Moi? Et vous alors? Moi, c'est mon boulot. Votre boulot à vous, c'est de répondre à mes questions. Vous allez jamais le croire si je vous dis. Je vous écoute. Hé, hey, remontez cette porte. Remontez cette porte. Qu'est-ce que vous... Ah ouais. Ceci est violent. On récupère le gun. Vite. Non. Gentil, Jacques. En fouille. Oh là là, c'est pas possible, je suis une vraie quiche. Hein. Putain, que dalle. Est-ce que tu t'amuses? Oh oh. Aïe. Ok, on se soigne. Recule. Ah, défends-toi, moustique. Je vais t'écraser. Au secours. Comme un insecte. Allez, c'est le moment. Ouais, c'est bon, on a réussi à faire à temps. La première fois, c'est super dur parce que si Jack peut vous choper, et prendre la voiture à votre place, pour le battre, c'est quasiment impossible. Pense ça à raclure. Oh putain, il est là! Au secours! Prends ça! Ah, raté! Un problème! Appuie sur la pédale! Là, il a disparu, c'est ça? Ouais. Alors je connaissais le covoiturage mais pas à ce point là. C'est un nouveau système de covoiturage. Oh purée. Finissons-en, toi et moi. Allez, je vais t'emmener faire un petit tour. Non. On en perd, bitch.
Damn. Oh, est-ce que j'ai récupéré les munitions? Regarde-moi le bordel que t'as foutu. J'ai récupéré les munitions qu'il fallait. Oh oh. Ah, c'est super. Non. Oh putain la vache. Non, c'est bon, je suis pas mort. J'aurais peut-être me soigner. Le truc, c'est que les remèdes de soins, c'est si. T'en as si peu dans le jeu que. Ouais, je vais en claquer un. Je peux prendre. Bon. Ah, attendez, je fais juste mon inventaire. Ok, c'est bon. Hop là, donc ça c'est plié, mais bon, on refouille au cas où. Non, c'est bon, ça y a plus rien. Ah, là. Ah, du fluide chimique, parfait, ça c'est bien. Si j'arrive à trouver de l'herbe, je pourrais me refaire une pause. Regarde-moi bien, fiston. Tu vas voir quelque chose de magnifique. Putain! Oui, un suicide, mais c'est pas magnifique en général, désolé, hein, mais. C'est même le contraire, c'est triste. Ah, des cartouches de fusil, ça va être bien pour plus tard. Hop. Ça en prend. Tac, statuette de taureau. Voilà. Ok, parfait. Aïe. Non, c'est bon. C'est bon. D'accord, donc on peut y retourner plus tard. Ok. Bon, on va aller dans le salon. La sauvegarde auto est faite. Attendez, je réfléchis juste à un truc. Ok, c'est bon. Ça, on a déjà vu. Non, alors attends, il disait un truc sur la photo de Lucas, j'ai pas vu. Ah, ce type a l'air vraiment un grand. Ok, oui, oui. Alors, ça, c'est des petites pop-up. Je sais plus comment ça s'appelle, les petites. Attendez, je crois que c'est dans les stats, ils vont le dire. Des petits mystères anywhere à détruire, il y en a 20 au total. Bon, je les ferai pas parce que je les trouverai pas tous. Comme les pièces antiques, je ne trouverai pas tout. Les fichiers, t'es pas forcément obligé de les trouver tous, mais ça se trouve assez facilement. Donc, voilà, il y a des objets à collectionner. Je sais pas si c'était comme ça dans les Resident Evil, comme je vous ai dit, j'ai jamais joué aux autres Resident Evil. C'est vraiment mon premier. Ouh, la musique bien close. Poudre à canon, alors ça va être pour faire des munitions. Deuxième pièce antique. Un téléphone qui sonne. Allô? Mon père t'a donné du fil à retordre? C'est ton père? Il l'a été. Je suis désolé, mais il est mort maintenant. Tu peux peut-être y arriver, en fait. Quoi? Arriver à quoi? Je veux que tu fasses quelque chose, mais je ne peux pas t'en parler maintenant. Il te faudra des sortes de clés pour ça, mais tu dois sortir d'ici. Ok. Je te rappellerai. Je viens de trouver, c'est la voix de qui dans. De, c'est la voix de qui du téléphone. Je crois que c'est la voix de. De Kidman dans The Evil Within. Je sais pas si vous y avez déjà joué, mais c'est la voix de Kidman dans The Evil Within. Alors, faut trouver les trois clés. Et donc, les trois clés à trouver, c'est des têtes de chien ou de loup. Non, deux chiens, pardon. Chien à trois têtes et il y a une qualité. Donc. Alors, je sais. Là, comme je vous ai dit, l'avantage d'avoir fait le jeu, c'est qu'on sait où ils sont. Ah, tiens, de l'herbe, on va faire des. On va faire un remède de soins, c'est gratuit. Puis ça fait de la place. Là on peut pas vraiment prendre le fusil parce que bah. Voilà. Donc on va la recharger, tiens, comme ça ça va nous mettre notre.
notre balle de cartouche via pompe pour plus tard, on pourra la prendre plus tard. Tac. Alors, donc, comme je vous disais, l'avantage d'avoir déjà fait le jeu, c'est que je sais où se trouvent certaines choses. Regarde le journal. Plus de 20 disparus en 2 ans. Le capitaine Howell de la police d'État a annoncé à la presse le début des recherches pour tenter de retrouver Hélène Mitkiff, une étudiante originaire de Caroline du Nord. Attendez, excusez-moi. Une étudiante originaire de Caroline du Nord en voyage en Louisiane. Putain, et je galère. La jeune femme a été aperçue pour la dernière fois dans la nuit du 21. Les cas de disparition en Louisiane du Sud, j'arrive pas à le dire, ont augmenté de manière significative au cours des deux dernières années. On compte aujourd'hui au moins 20 personnes disparues, dont la plupart sont des touristes ou des personnes errantes. La police, qui privilège la piste criminelle et soupçonne un lien entre les différents incidents, compte intensifier les enquêtes de voisinage et déployer un plus grand nombre d'effectifs dans la région. Aïssa Ashford, 19 janvier 2016. Je sais lire, hein, mais là je galère, j'avoue. C'est peut-être parce que j'essaie de lire vite pour accélérer et c'est du coup je lis comme un teubé, quoi. Ça c'est fouillé, ça aussi c'est fouillé, donc on peut refermer. Tac. Non, ça c'est la faute de la voix au téléphone de Zoé. Alors attendez, juste avant, je vais pas sauvegarder, vous inquiétez pas. Je vais juste mettre certaines choses. Voilà. Non. C'est bon. Non, c'est par là. Tac. On a trouvé une des trois têtes. Alors je sais où est la deuxième, mais j'ai un petit doute sur la troisième. Si c'est bon, je sais où sont la troisième. Ok. Normalement. D'ailleurs on va voir. Oui, exact. Allez, une. Alors je sais pas si je fais les trois têtes ou... Non, je vais peut-être au moins vous faire la deuxième, mais peut-être pas la troisième. On est à combien là? Oh, white. Au pire, ça fera un épisode un peu plus long. Est-ce qu'il y a des choses à fouiller? Est-ce qu'il y a un tiroir là? Oui. Une photo. Evelyne, 2 mai 2014. Ok. Donc là, on n'a pas les clés de... Putain, c'est un serpent. Mais c'est un véritable serpent. Yeah. Des schneck. C'est un schneck. Pardon. Coucou, mamie. Hop, on ferme. C'est peut-être le hobby favori du père. Oui, entre ça et tuer, il y a à chacun ses hobbies. Hein. Moi, mon hobby préféré, c'est Obi-Wan. Kenobi. Ah, regardez. C'est Bray Wyatt. On n'entend pas beaucoup ce qu'elle dit. Vous savez ce qui est dingue, c'est que j'ai beau refaire le jeu, parce que c'est pas la première fois que je le fais, ni la deuxième, ça doit être au moins la 4-5ème fois que je le fais, c'est que j'ai toujours autant les mêmes frissons. Je suis vraiment, je sais pas si ça se sent, mais je suis pas à l'aise en fait là. C'est bon, je suis vraiment pas à l'aise du tout. Là il faut un crochet. Y'a pas de la weed ici, pas de l'herbe, pardon. Non. Et c'est ça qui est dingue, c'est que j'ai beau connaître, je me chie littéralement dessus. Enfin, le début est flippant en fait. Là,
plus je vais avancer, plus je vais être équipé. Tu me dirais, c'est logique, mais moi ça me fera peur. Mais le début est vraiment effrayant. Ah, de l'herbe, nickel. Puis il y a certains bruits que je me rappelle plus là, ça me met pas en confiance quoi. Je regrette presque d'être tout seul, j'aurais bien voulu que ma copine soit là, j'aurais été plus rassuré. Alors là c'est pareil, c'est une clé serpent, putain. Ça m'a fait sursauter. Une cachette. Une VHS pardon. Poudre à canon. Ah bah on a trouvé tête de chien bleu. Ouais, donc c'était pas celle-là que je pense. Je me rappelle plus qu'elle était là, je croyais que c'était dans un autre passage, mais non en fait c'était là. Eh ben on va aller mettre ça. Alors, on dit qu'une tempête approche d'octobre, pardon. J'ai eu beaucoup de mal à nettoyer après la dernière qui a eu lieu il y a quelques années. Je crois qu'il est temps de renforcer les fenêtres et de consolider le toit. Je vais peut-être demander à Lucas de m'aider. L'eau s'est enfin retirée, la maison n'a rien, mais la vieille maison est sacrément endommagée. Luca nous rabat les oreilles à propos d'un énorme navire qui se serait échoué dans le bayou. Dans le bayou, pardon. Si c'est vrai, je ferais mieux d'en avertir la paroisse. J'irai voir ça demain. Ok. Marguerite, vire du hall ce connard d'hippie qu'on a attrapé et foulé dans la zone de traitement. Sympa. Est-ce qu'on peut casser? Oh, on peut casser. Oh, un Mystery Anywhere. Tac. Ouais, et on peut pas passer. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais regarder la VHS que j'ai trouvée. J'irai ensuite mettre la deuxième tête du chien. Et on arrêtera l'épisode là. Si tu trouves ceci, je sais que je ne peux rien attendre de toi. Pas après ce qui est arrivé, après ce que j'ai fait. Mais je veux juste que tu saches que c'était pas moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses qu'il faut que tu saches. Ah, te voilà. Nous étions très inquiets, jeune fille. On est d'accord qu'elle tenait la caméra dans sa main. Et là, genre, elle l'a mis sur son front. J'ai un peu de mal avec ça. Bon, après, voilà, c'est qu'un jeu, vous allez me dire. Alors, attendez, parce que je suis un peu poursuivi en fait. Ah, oui, c'est vrai, c'est scripté. Par où Pardon, excusez-moi, Rototo. Ah, je suis vraiment lasse et fatiguée de ton petit okay. Manège, jeune fille. Il faut que je me cache. Je suis vraiment. Je suis vraiment pas bien du tout. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? À part t'ouvrir ma maison et te nourrir. Allez, barre-toi. Vous imaginez, j'ai pas essayé, enfin déjà je l'ai pas, mais je sais que 4 ça. Mais j'ai pas envie d'essayer ce genre VR, ça doit être tellement flippant en VR, je me chierai dessus, mais un truc de fou. Je pense que je ferai un arrêt cardiaque. Cette maison a vu plus que tu ne peux imaginer. Je crois que je me cache là. Simplement.
Je suis caché, je suis en PLS total. Je sais que vous vous avec Zoé. Je sais que vous lui jetez quelque chose. Tu crois que non. Tu ne sais pas ce que tu veux faire avec cet Ethan? La mûre. Pardon. Est-ce qu'elle se barre? Non, non, ne viens pas par ici. Ah, je crois que quand si Mia dit ça, c'est que normalement elle va pas me voir. Normalement. Oui, c'est ça, elle se barre. Ok, je la vois, je la vois. Elle va retourner à l'intérieur, c'est ça? Je te yes. Jetterai en pâture à mes bébés et je fertiliserai le jardin avec les restes. Non. Nous t'ouvrons notre maison. Vous voulez pas que je vous refasse Last of Us? Ça me fait moins peur. Et toi, que fais-tu? Ok, je crois qu'elle est partie. Ok, alors ça, je suis très... J'espère que je vais pas trop galérer, je suis très nul à ça. J'ai galéré la première fois que j'ai fait le jeu. Non. Fuck. Ah, je suis pas loin. Allez. C'est la galère, bordel. Ah, c'est là, je suis bien là. Nickel. Hop, découverte du passage secret. Bon, c'est un peu lent, j'accélérerai là. Ok. On se cache. Elle t'aime. Elle veut que nous soyons une famille, bon sang. Toi, toi, tout ce que toi, tu dois toi, faire, toi. C'est accepter son satané don. Désolé, si je chante, c'est pour vraiment détendre l'atmosphère, j'ai envie de faire des blagues et tout, mais c'est tellement... Parce que je suis pas potasse. Pardon, excusez-moi pour ma vulgarité. Nous t'aimons! Ouvre les yeux! Accepte-nous! C'est bon, ça passe. C'est pas possible! Tu ne comprends... Non, 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 non! N'essaie même pas de fuir ta part de responsabilité! T'es sans issue, jeune fille! Ouais, il y a jumpscare qui va arriver, mais je vais pas avoir peur. Normalement. Bon, je vais me mettre vers la lumière pour rester le plus à l'aise possible. Non, je peux pas. Faut que je revienne en arrière. Ok. Allez, allez, attaque-moi. Ah oui, faut que je fasse semblant de revenir, c'est ça?
je vois rien du tout, je suis désolé. Ça doit être lamentable à voir là le gameplay. Je vois rien. Ça va m'attaquer quand je vais pas m'y attendre, je vais pas aimer. Je sais pas si c'est bugué. Attendez, il y a de la lumière. Ok. Alors attendez, je vais faire le chemin inverse. Alors, je vais tout droit. Je crois que c'est buggé, je suis désolé. Ah non. Mais non, mais merde, comment on fait? J'ai réussi à faire bugger le jeu, c'est génial. Je suis vraiment désolé là, ce que je vous propose c'est lamentable. Ah, il y avait peut-être ça. D'accord, ok. Désolé, my bad. J'ai fait de la merde. Où crois-tu aller comme ça? Ethan! Ethan, je t'en prie, aide-moi! Ethan, à l'aide! En fait, j'avais juste à regarder la photo. Je suis désolé, je me sens un peu bête du coup là. Déjà que je suis pas à l'aise. De base là, ça me l'a encore moins mis parce que je me suis dit putain j'ai pas envie de me retaper ce bug. Enfin j'ai pas envie de refaire la VHS, j'ai pas envie de quitter la vidéo comme ça, de recommencer, enfin bref. Bon, je vais aller poser la deuxième tête, je vais aller sauvegarder et je vais faire une pause je pense. Ou en tout cas je vais essayer d'enchaîner le plus vite possible pour un deuxième épisode. Je vais faire ça, je vais enchaîner un deuxième épisode, mais je pense que je vais faire une pause. Cela, ce que vous devez savoir, pardon, c'est que là c'est ma deuxième. J'ai fait une session de 2 épisodes. Et là j'aimerais bien faire au moins une session de 3 épisodes. Mais si je continue à paniquer comme ça, je vais faire un arrêt pendant que j'enregistre. C'est pas non plus le but. Donc ouais, je vais sauvegarder, je vais aller mettre la tête, je vais aller sauvegarder et faire une pause. Et mais vous vous rendrez pas compte, au 4e épisode, vous direz oh là là. On dirait qu'il a enchaîné tout de suite les moustiques. Eh ben non, j'aurais fait une pause. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Mia? Bah... tu l'as bien vu, hein. Bon allez, on va aller faire ça vite. Accélère, tac 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 tac. Ok. La tête elle est là, pardon. Ok, donc la troisième je sais où elle est. Là il n'y a pas de souci. Je vais juste non attendez, moi je vais couper là. Moi je vais aller sauvegarder, faire une pause. Donc moi je vais arrêter la vidéo maintenant. Ça sert à rien que j'aille vous montrer. Oh, vous avez vu la magnifique sauvegarde. La sauvegarde. Pardon. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo. Salut à tous, portez-vous bien.